been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking all the time. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la honte. Je vais vous présenter tous mes livres qui sont dans ma collection, qui ne sont pas entamés. Voilà. Et tout, j'ai pour objectif de commencer. Hein, voilà. Ça fait mal. Mon Dieu. On va commencer par le Disney. La pile est un peu plus haute. Pour le... Ouf, ça doit peut-être être kiff-kiff, mais bon. Alors, pour le Disney, je n'ai toujours pas entamé mon méchant. Voilà, il est en bodoni, il est trop beau. J'ai mis des marque-pages partout, mais je n'ai toujours pas osé aller dedans. Il est magnifique. C'est ma soeur qui me l'a offert. Et voilà. Voilà. Il est magnifique et il me fait peur. Mais trop trop beau. Donc j'ai pour objectif, voilà, de l'entamer. J'ai pas préparé où les mettre après. Attendez. Voilà, je dépasse ça. Voilà. Ensuite, toujours en bodoni, l'histoire éternelle. Celui-ci, il n'y a pas très longtemps que je l'ai acquis. Enfin, ça peut être quand même faire un mois ou deux. Je sais plus trop. Mais donc voilà, il m'entêtait. Il fallait que je l'achète parce que je pensais qu'à lui. Donc je me le suis pris et ben, je ne l'ai toujours pas entamé. Voilà. Mais il est trop beau aussi. Voilà. Oh tiens, celui-là, je suis en train de... Enfin, je l'ai fini. Mais dans un bloc. Oh, je sais même plus où c'est. Alors, celui-là. Mais c'est pas le même fond. On va passer au bloc. Le BFF, voilà, celui-ci, pareil, je le voulais absolument et je ne l'ai toujours pas entamé. Donc il va falloir, mettez-moi un coup de pied au cul. Il va falloir que je vous refasse une vidéo, c'est vous qui choisissez, je pense, peut-être un colo ou un truc dans le genre. Le bloc Love Stories. Voilà, celui-ci, bah, clairement, on le sait à cause de quoi. Hein, le papier peint dans les personnages, c'est un petit peu déroutant. Il y en a partout, on ne sait plus pas trop où colorier. Enfin, c'est très chargé, trop chargé. Mais voilà, il faut que j'arrive à faire abstraction ou que je fasse un fond uni et puis que je colorie juste les personnages. Mais voilà, c'est fort chargé. Enfin, je sais pas ce qu'il fumait dans le temps chez Hachette, mais voilà... C'était de la bonne, hein. Ensuite, bah, le bloc silhouette magique. Voilà, celui-ci, je l'avais acheté d'occasion, donc il avait été un petit peu commencé, machin, mais bon, j'ai gommé. Je pense que je pourrais, hein. Enfin, j'oserais enfin me lancer. Mais voilà, vous voyez, il avait été... je m'étais marqué par plusieurs colos, hein, mais... où c'est qu'on voit qu'il est... Là, vous voyez. Je pense que si je repasse dessus, ça devrait être bon. C'est du crayon de couleur. Si je gomme un bon coup, ça devrait être bon. Mais voilà. On ne voit pas beaucoup celui-ci. Enfin, pourtant, il est bien. L'abécédaire. Pareil, celui-ci, voilà. Ça m'a pris comme une envie de chier. Il me le fallait aussi. Et du coup, bah, je me le suis pris. Mais il est vraiment beau. Va falloir que j'attaque le summertime. Peut-être que cette année, cet été, c'est peut-être... Hein, on va peut-être y arriver. On y croit. Mais il y en a et je les aime beaucoup. Toutes celles avec Donald, Dingo, Mickey, Minnie, je les aime beaucoup.
Celle-ci, par contre, me paraît compliquée, celle-ci. Ouais, celle-là, je l'adore. Donc oui, il faut que je me lance. Ensuite, le bloc magie. Voilà, ça c'est totalement à cause de ma soeur. Voilà. Oh, achète-le, moi je l'ai, machin. Ouais. Donc oui, je l'ai. Mais il n'est pas entamé. Et là, il y a des étoiles partout. Ensuite, on va passer au mystère. Donc j'ai celui-ci, le Mickey Donald & Co, qui n'est pas entamé. Je crois que c'est ma sœur aussi qui me l'a offert. J'ai une mémoire de poisson rouge, alors je ne sais plus si c'était à elle, elle ne l'avait pas entamé, ou si elle me l'a acheté, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Voilà, il est à la maison, hein, voilà, donc il faudra que je le commence, celui-ci. C'était de qui, celui-là? Ah bah Jérémy Mariez, bah, c'est ceux qui me plaisent le plus. Donc j'ai aussi le Princesse, voilà, toujours de Jérémy Mariez. Voilà, il va falloir que j'attaque. Donc ça m'en fait combien en tout? J'ai celui-ci, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, plus celui-là. C'est déjà pas mal, même si j'aimerais bien les Pixar. Mais bon, il faudrait que j'y aille un peu plus souvent quand même dans les mystères. Et dernièrement, voilà. J'ai le méchant, donc toujours de Jérémy Mariez, donc à entamer. Très très beau aussi celui-ci. Il va falloir que je me penche un petit peu plus sur ça. Je voyais un petit peu. Donc voilà pour le Disney, ça fait déjà pas mal. Je sais même pas s'il n'y a pas des. Si, il y en a d'autres que j'ai oublié. Il y a ce petit carré, le petit carré coco que je n'ai pas entamé aussi. Pareil, là, il y a plein de petits motifs et autres. Mais bon, avec du stylo gel néon, ça peut le faire. Hein? Donc, ouais, j'ai encore celui-ci aussi qui n'est pas entamé. Je l'avais oublié, celui-là. Après, non, je pense qu'ils sont entamés, méchants. J'ai pas fait grand-chose dedans, mais j'ai quand même fait des petits bras. Hein, voilà. Donc, si celui-ci, il est entamé. J'espère que j'en ai pas oublié ailleurs. Ensuite, on va passer donc au hors Disney. La liste. Mais d'ailleurs, là, j'ai pas vu le. Il y a un bloc que j'ai pas vu. Mais oui, j'allais vous arnaquer. Il y a aussi ce bloc-là que je n'ai pas fait. Le message. Celui-ci non plus, je ne l'ai pas entamé du tout. Ça fait beaucoup de blocs, hein, non entamé, hein, je le sais. Hein, mais je suis faible à ce niveau-là. Les blocs me plaisent beaucoup, mais enfin, je sais pas. On pense que ça peut aller vite. Enfin, il y en a certains, ils vont vite quand même. Mais enfin bon. Donc, le bloc message en plus au niveau des Disney. Normalement là c'est bon. Normalement j'ai pas oublié. Bah, j'avais noté le méchant quand même en petit carré. Mais voilà. Dans le méchant, j'ai fait ça. Ça compte ou pas? C'était pour tester mes chalk marqueurs de chez Action. Est-ce que ça compte? Celui-ci, je l'avais acheté d'occasion. Donc, il y avait Ursula qui avait été. Hein, j'ai essayé de repasser au gesso ou quelque chose, mais je me dis, c'est mort, je pourrais pas le faire celui-ci. J'arriverai jamais à rattraper ça. Donc, au pire, il va falloir que je mette un fond machin et que je recolle un autre colo dessus. Je pense que je ferai peut-être ça. Mais voilà. Celui-ci, oui, il est entamé, mais c'est pas. Hein? Ça compte? Allez. Soyez pas vache. Alors, en hors Disney, en Bodoni, j'ai celui-ci, l'abécédaire. Voilà, c'est un vieux de la vieille. Et bah, hélas, je dois vous faire mal aux yeux. Avec ce néon corail. Donc voilà, celui-ci, en plus, il a des parties où c'est doré.
Mais voilà, il n'est pas commencé non plus. Là, ça fait un peu mal aussi. Mais voilà, il n'est pas entamé non plus. Pareil, celui-là, stylo gel, avec soit du néon, du pastel. Ensuite, j'ai le Fafae, les 4 saisons fantastiques, qui n'est pas entamé, que j'avais pris sur Vinted pour cette illustration en fait. Voilà, cette illustration me plaît beaucoup. Le reste, j'ai un peu plus de mal, mais est-ce que je vais oser le commencer un jour? Je ne sais pas trop. Ouais, cette illustration est très très belle. Après, je ne sais pas trop comment mettre en couleur. Celle-ci aussi, ça. Il est assez spécial quand même celui-ci. Le papier est bon, donc je sais pas encore. Ensuite, nous avons le Nice Little Town Valentine's Day de Tatiana Bogema, que je n'ai pas commencé. Voilà, je voulais en faire un pour la Saint-Valentin et au final, je ne l'ai pas fait. Ou si je l'ai fait, je ne m'en souviens plus. Mais non. Et voilà, pareil, celui-ci, je pense que je vais scanner et je sais pas. Je me sens pas sur les papiers Amazon, je sais pas. Voilà. Des petites souris, parce que c'est mimi. Ensuite, je n'ai pas commencé le Sweet Memories de la Biche Créative. Voilà, donc moi j'ai la version portrait. Et j'ai toujours pas mis les noms au dos des petites. Des personnages, je pense que voilà, parce qu'il y en a certains, je ne sais pas qui c'est, donc pour quand même respecter un minimum les couleurs, après au pire, c'est pas grave, mais voilà, faudra que je commence celui-ci. Ensuite, le Saquem de 2018, le Natural Enchantment. Pareil, là c'est du papier aquarelle, donc je sais pas trop comment je vais le prendre, si j'y arrive avec du CDC ou si c'est vraiment trop relou et ou je le ferai avec les Inktense et je sais pas. Ouais, pas marqueur, aquarellé, je sais pas. Mais voilà, ça c'était aussi dans ma wish depuis un moment, je voulais avoir un Saquem et voilà. Il faut que je les commence. Ensuite, en niveau des Deria Kakirsoy, hein, voilà. Donc j'ai le From Halloween to Christmas, voilà, que je n'ai pas entamé, mais que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est tellement mignon. Donc c'est du grayscale. Et pareil, je pense que je vais scanner et voilà, parce que. J'ai peur du grayscale voilà, sur ce papier pourri. Mais voilà, juste avoir le livre, pouvoir ne serait-ce que feuilleter de temps en temps, c'est juste un plaisir quoi. J'adore la lune derrière, elle est tellement bien faite. Trop beau. De la même illustratrice, j'ai le Mermaid. Toujours en grayscale. Et c'est toujours aussi beau. J'adore, j'adore, j'adore. L'Adorable Characters. C'est trop chaud. Le Gorgeous Fantasy. Ensuite, chez Christine Caron, nous avons le World's End Times. Pareil, ça c'est tellement tellement beau. Voilà, Christine Caron. Alors celui-ci, Taz l'a fait. Taz Nemokolo. Je vous mettrai sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch en barre d'infos si j'oublie pas. Hein,
parce que moi j'ai un peu de mal en ce moment à faire mes miniatures et mes barres d'infos. Bon, je suis en temps complet au boulot là en ce moment, donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi d'être fraîche et disposée. Mais elle l'a fait et il est juste magnifique. Donc ouais. Oh là là. C'est tellement, tellement... Oh là là. Ah si, celui-là, je l'ai fait. Oh, je l'ai fait, celui-là. Donc non, il est entamé, celui-là. Je l'ai faite, celle-ci. Pour le challenge de Colorimi. Pour faire un colo qui nous ressemble. Donc non, il est... Il sort de la pile, celui-ci. Ah ah. Ah, au moins, c'est toujours ça. Donc, en Christine Caron, j'ai le Fairy and Fantasy 2. Que je me suis pris il n'y a pas si longtemps que ça. Celui-ci, j'ai trop envie de le faire. Mais c'est pour l'automne. Petite sorcière, là. Oh là là. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. J'ai le Momo Girl with Poem. Je crois que c'est celui-ci. L'autre, c'est Music, hein, il me semble. Pareil, qui n'est pas entamé. C'est tellement beau, ça fait tellement peur. Ah, ça peut... C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Ensuite, chez Rita Berman, j'ai le Petite Bête. Je l'avais acheté d'occasion, donc il y en a un de fait, mais ce n'est pas fait par moi. Voilà. Donc je n'ai toujours pas commencé, du coup, celui-ci. Et là, ça pourrait être la bonne période. Voilà. Donc. Et j'ai aussi le Man Ray's Dutch Europa. Toujours de Rita Berman. À entamer. Voilà. Celui-ci. Ah, ah, ah. Attendez. Je suis en train de me demander si je l'ai pas. Non, c'est pas celui-ci. Ah non, c'est dans le season que j'ai fait. J'en ai fait deux dans le season. Donc non. Celui-ci est vierge. J'ai essayé. J'ai espéré, mais non. Donc oui. Il faudra que je commence celui-ci aussi. Ensuite, on part chez Camilla Derico, donc avec le pop manga Mermaids and Other Sea Creatures, voilà, que je n'ai pas entamé. J'ai le je l'ai sur le bout de la langue, hein, mais ça ne veut pas sortir. Creepy, cute and creepy. Voilà, que j'aime beaucoup, mais c'est le papier qui me chagrine. Et du coup, ben, le papier, je sais que ça va être le même dans celui-ci, donc ça va me chagriner aussi. Et ce qui est bizarre, c'est que voilà, vous avez des traits assez épais et vous avez des traits super fins. D'ailleurs, il y en a un nouveau qui va bientôt sortir. Je sais pas trop si je vais me le prendre ou pas. Ensuite, on part chez Anna Carlson. Donc, j'ai le Midnight Masquerade qui n'est pas entamé. Voilà. Et ces derniers-là, j'ai craqué voilà, sur ces derniers livres. Le format, le style, j'aime beaucoup. Par contre, j'achèterai pas ces livres d'avant. Non. Trop gros, trop grand, trop. Et aussi le Forest Kingdom. Cette page suffit. Non, il est vraiment beau. Voilà. Les petites, les gnomes, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Ils sont très très beaux ceux-ci. Et enfin, le dernier, Philippe, en plus, c'est le Hey Paul, le Forest Girl.
Je sais pas si c'est le 1, le 2, le machin. Je pense que c'est le premier. Je pense. Donc, c'est une beauté. Voilà. Donc, pareil, là, je vois que les pages sont détachables sur cette partie-là. Non, là aussi. Ah ouais, non, elles sont toutes détachables, en fait. Donc, ça va être pratique. Voilà, ça va être pratique. Mais ouais, très 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 beau. Mais bon, c'est sûr, une fois que vous avez tout détaché, votre bouquin, je sais pas ce que je ferais si après on le met en porte-vue. Mais bon, c'est sûr que ça va être plus pratique pour colorier quand même. Quoique, bah là, on n'a pas du tout, du coup, la rainure qui gêne. Mais je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Mais magnifique. Magnifique. Donc voilà, j'ai du taf, donc je vais vous laisser. Hein, Oh là, la pile, mon dieu. Et je voudrais encore en commander, c'est ça le souci. Là, il y a le dernier de Anna Carlson qui me tente du coup, donc c'est pas possible. C'est plus possible. Donc voilà pour cette vidéo, hein. Mais je pense que je vais refaire une petite vidéo pour c'est vous qui choisissez ou quoi pour essayer d'entamer. Voilà, je vous mettrai une liste dans ces. Une liste de livres comme ça et vous choisirez. Mais pas autant parce que là ça va être compliqué pour avoir un qui ressorte. Mais voilà, je vous mettrai peut-être 10 livres dans lesquels j'ai envie d'aller prochainement. Et puis vous choisirez quel livre. Ça va être long du coup si je fais quel livre, quel colo, ou faudra que je fasse quel livre sur YouTube et après sur Instagram que vous choisissiez lors d'un sondage quel colo qu'on voit. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Le pseudo est toujours dans la barre d'infos. Voilà, donc moi je vous laisse, je vais ranger tout ça. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.